Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve pour faire une memory dex. Je verrai le temps que je prends, si je fais la carte avec vous ou pas. Sinon, je referai une autre vidéo à part et je lancerai celle-ci. Bref. Donc, en fait, voilà, je vais participer à un défi où il faut. En fait, on fait la créa qu'on veut. Donc, memory dex, ATC, carte, pocket letter. L'audit d'enveloppe, enfin, etc. On peut faire ce qu'on a envie de faire. Il y a trois conditions. Alors, se servir de quelque chose de récupéré, une touche de rose et trois matières. Donc, c'est-à-dire du ruban, strass, bouton par exemple. Là, moi j'ai pris plume, il y a du ruban. Enfin, voilà. Donc, c'est parti. Donc, pour mes memory dex, en fait, pour faire la forme de mes memory dex, j'ai plusieurs dies, mais on peut aussi les faire à la main. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et enfin, là, il y en a trois de trois tailles différentes. Pour le côté récupération, en fait, j'ai pris une page d'un livre qu'on ne sert plus, qu'on a déjà lu. Donc, voilà. Donc, qui est là, hein. Et je l'ai ancré avec la vintage photo de Distress Oxide de Ranger. Ensuite, je me suis servi de l'encre Stazone pour tamponner sur mon papier, vous savez, qui est un peu glacé. Je vais certainement mettre des plumes. J'ai sorti des boutons, de la dentelle, du liège. Ensuite, ah oui, vous savez, pour derrière, parce qu'en fait, une memory dex, on écrit notre nom, notre prénom, etc. Et la personne la garde pour le jour où elle a envie de nous envoyer quelque chose, au moins elle a notre adresse, etc. etc. Là, c'est pas la vidéo. Ensuite, pour le sentiment, j'ai pris cette planchette qui vient d'AliExpress. Hein, et j'ai pris ce mot amitié pour la carte. Je prendrai certainement un petit coucou, mais ça, on verra bien. Pour. Le rose, j'ai pris, vous savez, le papier glacé que je vous avais fait montrer des blocs actions là. Par contre, moi sur cette feuille, j'ai un défaut, il y a des lignes. Mais bon. Bref. Donc voilà. Donc, on y va. Donc j'ai déjà découpé tout ça pour que ça aille plus vite, pas pour que ça mette 10 ans. Déjà que je parle beaucoup trop là. Donc, voilà, donc c'est comme ça. Et là, je vais déjà coller cette partie-là parce qu'en fait, je vais pas. Je peux la coller en fait là. Sinon, j'espère que vous allez toutes et toutes bien, que votre journée se passe bien. Alors nous ici, il a neigé toute la matinée et une partie de l'après-midi. Là, ça s'est arrêté. J'espère juste que ça va continuer parce que j'adore la neige. Désolée pour les personnes qui n'aiment pas ça, mais moi j'adore ça. On dirait une vraie gamine quand il neige. Mais bon, les petits loulous sont pas là pour que j'en profite avec eux, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, je colle ça. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, et sur cette partie-là, en fait, je vais prendre un morceau de liège que j'ai coupé à 2 cm. À 2 cm sur. Non, même pas 2 cm, ouais. Enfin 2 cm, quoi. Sur 11. Mais bon, ça va forcément être trop grand. Hein. Donc là, je sais pas si je le place ici. Si je vais le placer là. Je vais le placer en bas. Pas besoin de mettre de la colle, en fait il est autocollant. Je l'avais eu à AliExpress celui-ci. Et ma foi, il est plutôt pas mal. Si les liens d'AliExpress vous intéressent, des produits d'AliExpress que je me sers, vous avez. Enfin, dites-le moi et je regarderai si j'arrive à retrouver les liens. Donc ça, je jette pas, moi. Je pourrais peut-être en mettre un peu après. Donc ensuite, j'ai cette dentelle. Pour rappeler un peu le rose, mais bon, je trouve que, enfin, je sais pas. Je ne sais point.
Ah oui, il faut que je sorte mon pistolet à colle. Je reviens. Donc voilà, c'est bon, j'ai sorti mon pistolet à colle, il chauffe. Alors, je tente de voir. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Je vais juste voir si j'ai pas un autre. Non, j'ai pas du tout. Aussi. On coupe un bout, puis je vais donc là je vais coller ma donc moi mon ruban je le colle avec cette colle là, je la trouve très bien en fait pour coller. Enfin, j'arrive même à coller des sujets en métal avec et ça tient. Ouais. Donc après, je sais pas, mais moi ça va. Donc on essaie de le mettre assez droit. Ce qui n'est pas évident parce que je ne suis pas droite à chaque fois. Ça va. Voilà. Hop, je vais attendre un peu que ça soit sec pour couper les bords. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Est-ce que je mets des perles? Donc là, je comprends après. J'avais pensé de mettre des boutons et des plumes aussi. J'aime bien les plumes. Ah oui, mais par contre, je suis un petit peu bête. En fait, il faudrait que je les mette en dessous. Un peu parce qu'elle va être trop longue. Là, je mettrai la colle chaude après, je vais juste voir comment ça. Donc je vais déjà. Chaud ici pour mes plumes sans éviter que je me brûle, ce serait cool. Hop. Voilà, c'est chaud. Et là, je vais remettre un peu de colle chaude pour mon ruban. J'appuie pour dire de retirer la colle chaude. Je vais couper la plume. Mon ruban. Hop. Ah, je l'ai coupé trop court. Ça donne ça.
Donc là, je regarde. Donc je vais pas mettre les perles. Je sais pas en fait. Non, parce que là, je trouve que ça fait gros déjà avec la. Avec la. La colle chaude. Je pourrais le mettre là, mais je sais pas. Non. Non. Donc on va mettre les boutons. Ça sera sec, j'enlèverai les fils de colle. Alors. Donc là, je vais couper. Que je peux peut-être prendre. Non, ça va être trop court. Trop. Donc je coupe. En fait, c'est pas mon étiquette était déjà pas droite. Donc et bien là, ça va pas droit. Donc on dira que c'est comme ça. Sur du craft. Oh, je vais me mettre sur du craft. Colle, colle. Hop. Ah, ça me stresse, c'est pas droit. Je vais attendre un peu que ça sèche. En fait là je laisse un tout petit matage en fait j'ai vraiment un souci en fait je suis jamais droite. Je suis malade. Je vais le mettre en craft mais... donc je vais j'avais préparé en fait deux tampons pour tirer enfin sur les deux papiers pour voir et je préfère le craft enfin je pense que c'est plus pour sortir et je pense aussi que je vais maté avec du papier du papier de quoi comme ça sert pas vraiment à grand chose j'irai donc non merci mon chéri.
Donc, comme là, j'ai mis que ça. Et en fait, je vais juste arrondir un côté. Et arrondir un autre côté. Merci, chef. Je vais aussi... Donc ça, je vais pouvoir l'éteindre parce que ça va m'en foutre partout. Désolée, c'est un peu foutoir dans ma vidéo là, mais après, aucune vidéo n'est parfaite. Hein. Et voilà, je partage, c'est pas pour que ce soit des choses parfaites en fait. Hein. Enfin bref. Voilà. Donc avec la Distress Oxide photo. Et là je vais le mettre ici. On dirait que mes boutons sont pas droits. Je pense pas. Oui. Donc ça, ici je ferai vous savez Mon crayon ne va plus. En fait, vous savez, je fais un contour de fausse dentelle. J'aime bien faire ça. Je trouve que ça finit très bien. Une carte ou... Voilà. Donc on va le mettre en 3D, celui-ci, avec de la mousse 3D. Mon petit ciseau pour... C'est pas grave, je prends celui-là. J'ai des petits bouts qui traînent, donc je vais m'en servir. Voilà. Sinon, comment s'est passé votre samedi? Enfin, là, moi, il est samedi, mais je pense que la vidéo, je la mettrai... dimanche matin, je sais pas encore. Voilà, je la mettrai peut-être tout de suite après, en fait, si je verrai. Donc voilà. Et si on rajoutait des strass, vous en dites quoi? On en rajoute ou pas? Est-ce qu'on en rajoute? Alors moi j'en ai des blanches. Là. Après, j'ai toujours mes ciseaux. Ici.
En fait, ils sont bien, hein, mais il y a un petit liseré, enfin un petit fil transparent, vous savez, pour la colle. Et en fait, parfois, ça se voit beaucoup, je trouve. Mais bon. Pourquoi il ne veut pas se coller droit? C'est bon. Donc je vais pouvoir la coller sur le reste de ma mémoire d'ex. Voilà. Et là, je la colle. Voilà. Donc, enfin, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça va, je la trouve pas moche. Donc voilà les filles et les garçons aussi, vous regardez ma chaîne. Donc je vous fais des gros bisous et puis ben je vous dis à bientôt. Bisous bisous.